Salut tout le monde, je vous retrouve sur Total War Pharaoh pour l'épisode numéro 7 de la campagne d'Irsu. Donc j'ai continué d'avancer de mon côté. J'ai rasé pas mal de villes au PL7, au Teresh et tout ça en Égypte, et aussi à d'autres factions de peuples des mers. Et du coup, donc c'est encore 3 villes du côté de Rakkeh, donc j'espère qu'ils vont pas venir tout de suite nous ennuyer. Je vais laisser ma demi-armée ici, on sait jamais, et faire en sorte que l'armée d'Irsu, alors, qui a un petit peu changé, alors pour quelques unités. Donc j'ai rajouté des guerriers Enku à la place des envahisseurs à pied roux. Enku, pardon. Donc des unités très fortes, hein, tout simplement pour commencer à déboîter. Bon, on est un petit peu en déficit de bronze, mais je me dis, en allant prendre Chypre, le problème devrait être réglé, surtout pour la construction de la ville. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, je vais me mettre en marche et je vais commencer à remonter la côte avec Irsu. Donc je vais continuer de développer mon empire. Alors, ce que je vais également faire, j'avais prédit que je ferais ce bâtiment, ça. Je vais détruire la salle des archives et je vais commencer la construction du monument glorieux. Donc, bon, je voulais faire cette tech-là, mais je pense que d'ici 5 tours, ça va être long. Donc, mais on va faire le nécessaire. Alors, je regarde un petit peu ce qu'on peut faire. Là, j'ai continué de monter l'influence dans le secteur. Là, c'est fait. Et développer le plus de territoire possible. Alors, ici, c'est quoi comme unité qu'on a? Donc, des chachous, des apirous. Bon, on va faire ça. Bon, faudra faire attention. Chypre a aussi une ville là. Alors, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais on va être prudent quand même. Donc là, on va se mettre en route pour Chypre. Et je pense que je vais quand même renforcer l'autre armée qui est au sud pour aller braser préventivement cette cité. Donc on continue de refuser tous les échanges de tout type pour faire le succès isolationniste qui consiste à gagner une campagne sans signer le moindre traité. Après il me reste encore un succès à faire avec Irsus, c'est bon, je l'ai fait en off, un des succès c'est avoir 20 000 pièces d'or. Donc ça c'est une formalité. Réduire les coûts de construction, je prends tous les jours. Et je disais, le monument glorieux tout de suite. Donc c'est pas là, c'est pas là. Ah, les monuments glorieux, donc on va gagner 12 de légitimité même si on n'a pas de royauté, 7 d'influence et 7 de bonheur, et ça rajoute 2 de bonheur aux provinces adjacentes. En plus c'est une province centrale, donc ça veut donc dire qu'elle va influer. Donc ce monument glorieux dans 11 tours va influer sur le Tyr, la région de Tyr, la région de Kadesh. Ce qui va nous être un peu utile là quand même. La région démarre. Ça va jouer sur plein de choses et ça fait plaisir. Voilà. Donc là, j'ai commencé. Alors, Irsu, on va continuer sa folle remontée. Et sachant qu'on a le port d'Ougarit qui nous donne plus de portée maritime, ça va être très bien. Je suis curieux de voir ces fameux guerriers Enku en action quand même. Hein. Après j'ai d'autres unités, j'ai pas recruté les Mariani du roi et tout ça. Je me suis dit que c'était pas nécessaire. On a une armée quand même qui est en moyenne de tiers. Au moins tiers 3, ce qui est pas mauvais. Je vais me mettre en route. Alors ici on a une armée à 14, donc c'est pas mauvais du tout. Comme ça, là, on a ce qu'il faut. Je vais monter la ville au niveau 5. Sichem, j'ai monté au niveau 5 aussi.
Je vais faire ce bâtiment de la salle d'essai à bronze pour gagner un petit peu plus de bronze. C'est toujours ça de prix. Donc on va gagner 10% par-ci par-là. Là par contre il va falloir que je joue sur les avant-postes parce que du côté de ces deux villes-là, c'est des villes portuaires. Donc il y a déjà un slot qui est pris. Et je ferai au moins une garnison pour sûr. Et le bâtiment de bronze. Et je jouerai sur ça pour gagner plus, un petit peu plus de ressources. Donc, je vois qu'on est aussi au tour 126. Normalement, c'est à partir du tour 140 qu'on a la fin des peuples des mers, normalement, à moins que ça ait changé. Donc là, on n'a plus que 62 factions hein, sur la carte. C'est très très peu. Ok. Donc là c'est fait. Alors Agoubal, est-ce qu'on a encore des choses à faire là? Non. Ah, je me demande si on bâtit le monument, il faudrait combien. Oh, 22 000 on ne les a pas. Ça c'est une certitude. Ascalon, on va l'améliorer au niveau 4. En plus, c'est un centre de culte, donc ça va faire remonter peut-être les piliers de la civilisation plus dans le. La prospérité qu'autre chose. Ce qui est assez ironique, hein, vu qu'on joue à Hirsu qui est quand même un destructeur sur le papier. Là, je vais faire le port au niveau supérieur. Là, on va avoir une bonne garnison. Alors, là, on a 4, 11 unités. Là, ils sont 9, mais je ne sais pas si on aura assez d'hommes ici. Tu sais quoi? On va être prudent. Je vais rajouter 4 guerriers Ushu en renfort. Comme ça, là au moins, on aura une base d'armée qui pourra peut-être faire le nécessaire apparemment, si jamais ça doit être généré. Et comme ça, on verra. Hop, on va laisser Hirsu et comment il s'appelle, Jebel ensemble. Et on va débarquer du côté de Titan. Ok, donc là il faudra qu'on aille voir aussi du côté d'Ashata ce que ça donne. Alors ici on peut faire des choses, mais quoi, Teshub? Là on peut rien faire, là on peut rien faire, là on peut rien faire. Là on va voir ça bientôt au niveau 4. Je vais améliorer Ougarit quand même. Est-ce que c'est une colonie de piliers de civilisation? Oui, c'est un centre de culture Ougarit, donc on va l'améliorer aussi. Pour encore gagner quelques points. La chienne n'est pas un centre du cul. Oh, les Danana, ils nous détestent, mais en même temps, avec tout ce qu'on s'est mis sur la gueule, c'est un petit peu normal. No land is safe. Ready for anything. Dry land. Don't sleep, you sorry lot. To the docks. Ok, on est à Quiton. Voilà, nous sommes arrivés à Chypre. On va essayer de vite virer les armées. Donc cette armée va piller à la Chia, d'accord. Alors déjà, on va se remettre en mode normal. On va déclarer la guerre aux Danéens. On va raser pour gagner un petit peu. On va juste encercler, continuer le siège tranquillement.
avec Hirsu, on va vite prendre la ville. On va voir un petit peu les guerriers Enku en action. Je suis un peu curieux. C'est du cananéen global, on devrait s'en sortir. Ils ont deux archers syriens légers, nous on a quatre archers syriens en armure, donc je pense que ça devrait être suffisant. Hirsu. Hirsu, chien de guerre. Égyptien, Hittite et Memnon qui se croient forts. Tous se disputent Canaan comme des charognards en quête de viande. Et vous vous étonnez de voir notre patrie déchirée? Je le dis. Jamais. Assez déchaînés de leur paix. Apprenons à ces bâtards la cruauté du fouet. Une patrie déchirée? Pas la nôtre cette fois. Hirsu s'adressant au chef de guerre. Bon, le temps de la pluie, merci, mais non merci. Bon, on va avoir du brouillard, c'est pas grave en soi. On va commencer. Alors j'ai juste regardé vite fait les guerriers Enku. Alors si vous pouviez sortir rapidement, ce serait cool. Alors déjà, ça commence bien. Abattez-moi les archers syriens légers. Alors vous ressemblez à quoi vous? Ah ouais, vous êtes pas mal, hein? J'aime bien vos armures déjà. Ça y est, là les Pirou vont entrer en action contre les chats et les casse-pieds canadiens, donc lancer contre H. Normalement, on devrait s'en sortir ici. Je vais envoyer les Enku là, les autres Enku ici. Apirou, vous intervenez là. On va commencer à entamer le capitaine de garnison du village. J'ai fait reculer les Apirou. Ah oui, ils ont des munitions. À chaque fois, je me fais avoir. C'est pour ça que je me prends du TK là. Les Enku vont les choper là. Il reste encore une unité des pays cananéens vétérans, mais les archers syriens vont les calmer. Capitaine est mort. Ah, il déboîte bien. Allez, découpez-moi ça. Les archers, vous allez avancer. Qu'est-ce qu'il reste encore? Du lancier, ouais. Bon. Logiquement, ça va être vite être plié. Je vais ramener les Apirou pour faire le nécessaire. Les archers syriens, on va les repositionner. Voilà, c'est terminé. Nous avons pris pied en... Enfin, sur l'île de Chypre. En Chypre, ça va être compliqué. Voilà. Ouais, les archers ont été très décisifs. Les Apirou aussi. Bon, nos guerriers Enku. Enku, là, on fait une bonne première ici. Bon, c'est une unité là un petit peu moins, mais bon, c'est normal. Là, elle a moins gic la première, ce qui est logique. On va juste.
Occupé. Et je vais essayer d'aller chercher lui si on peut. Non, on pourra pas. Alors, à qui tuons? On va reculer. Donc l'armée va être refaite d'ici le prochain tour. Alors on a déjà ça, on a déjà ça, c'est très bien. Alors je pourrais pas faire ce bâtiment-là puisque ça va être la Chypre, ça va être compliqué à défendre. Il nous faudra au moins une armée sur place, donc l'armée de 14 fera l'affaire. Et au niveau des avant-postes, on n'en a accès qu'à deux. Déjà je vais faire ça, le poste de surveillance cananéen. Et je ferai le bâtiment, l'avant-poste économique pour avoir plus de ressources ici. Wrath of Canaan. Et on va voir si on peut pas faire d'autres constructions en attendant. Alors, Kadesh. Niveau 5 tous les jours. À Damas, j'ai amélioré la résidence de Sabou Naguib. À Sichem, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant? On va améliorer la villa, on va améliorer ça. On est pas mal. Ah bah, plus besoin de se soucier. E3 a fait le job ici. Ils ont récupéré la ville de Chypre. Parfait, parfait. Ça arrange toutes mes affaires. Alors, Megiddo, qu'est-ce qui est endommagé? Il y a cet avant-poste-là. Ok. Dans le Sinaï, on va faire quoi comme construction? On va faire ça. Emar. On va l'améliorer au niveau supérieur parce que c'est aussi un centre de culte, si je dis pas de conneries. Oui, Emar est un centre de culte, donc on va améliorer ça au niveau supérieur. Ougarit, c'est en cours. Je vais faire ça pour débloquer la pierre. À Megiddo, on va débloquer ceci. À Lab, alors on va améliorer le bronze encore. J'ai amélioré ça au niveau de maximum. Je vais faire de l'or comme ça. Et je me demande si je devrais pas le virer comme ça. Bon, je gagnerai plus un de bonheur, mais. Après, là, je vais mettre une garnison. Je gagnerai un petit peu plus de. Voilà. Une garnison ici, pareil ici. Alors Ebla, ici on va faire quoi? On va raser le fort, on va le garder parce que il est utile. Enfin quoi que non, il est plus utile ce fort. On va le raser. Ce fort là, on va le détruire. Mais on va faire un petit fort du côté de Chypre aussi, ça peut être une strate. Hein. Ici, ça sera pas judicieux, je pense. Il vaut mieux renforcer une ville côtière. Ouais, évidemment. Bon, il me détruit le fort, ça arrange mes affaires. Wrath of Canaan. Oui, il a assez fait le guignol. On le massacre. On va prendre l'air régène. Je vais me mettre en route. Et là, je mets tout de suite en place le compteur commercial canadien pour commencer à booster le bronze. Donc là, on va gagner encore un peu de bronze au prochain tour. On
a de l'or, on va se le permettre. Ok, eux ils sont là aussi. De toute façon, il faudra leur déclarer la guerre à un moment. Il va falloir faire attention. Hop. Ok, les Terrèches reviennent. Ils... On va essayer de s'en occuper. Ça, pacifiquement là, cette colonie. Bon là les Dadanais ils vont commencer à prendre de l'attrition. Alors ce fort là je vais le garder par contre. Ce poste là je vais le détruire. Alors par contre. On va faire un nouveau décret royal, donc les coûts de construction sont réduits. Je vais faire se fier à quoi on peut se fier, donc ça va augmenter les revenus de nourriture progressivement. Je vais surveiller cette armée. Encore une guerre civile, il y en aurait eu pas mal sur cette campagne, hein. En moins de 140 tours. C'est un équilibre délicat. Mais lorsque deux frères se dressent l'un contre l'autre, la vertu est abandonnée. Et le sang coule. Inévitablement. Ouf. C'est les Troyens, ça, non? Troyens en Mésopotamie, c'est un des deux. À chaque fois, j'ai du mal. Ok, alors lui, il rentre chez lui. Très, très bien. Donc, nous, on va faire de même. Hein. On va ramener. Alors, les Terrèches, qu'est-ce qu'ils nous font? On va devoir aller les chercher. C'est relou. Lui, c'est un suicide. Bon, ça va ranger mes affaires avec Irsu. Il aurait pu raser l'avant-poste là. C'est une guerre civile, dites. Ok. Alors, ce que je vais faire déjà. Voilà. Moins 15% d'entretien, je prends tous les jours. Alors, toi. Tu vas mourir. De point de lance dans le bide et un coup de lance quoi. Je comprends pas que la lance puisse décapsuler, mais admettons, j'aurais préféré entre guillemets que la tête soit embrochée, un truc comme ça. Ça date de Troy ça. Voilà. Alors, je vais me mettre en marche forcée. Est-ce que je regagne de la reconstitution? Oui. On va se mettre là. On va naviguer pour revenir vers Alachia. Parfait. Et je vais me mettre en position ici. On va s'occuper de... Enfin, essayer de s'occuper de cette armée. Alors, le déplacement en mer, ça va être utile.
Ça va être très utile, ce petit buff de l'hôtel de balle. Et normalement, lui, on peut aller chercher. J'espère qu'on pourra le pulvériser avec l'armée qu'on a. Donc là, les points de navigation, ils ont fait le taf. Bon, je vais prendre les ressources. On se met en position à nickel. Là, j'ai monté la ville au niveau 5. Là, je vais mettre tout de suite une garnison à Megiddo, ce sera fait. J'ai de l'or, je me permets d'en acheter. Ça, là, pareil. On va renforcer nos villes. Ok, super. Bon, il ne reste plus qu'à... Il y a encore une armée qui se pointe. Ah, ils sont chiants, hein. Mais bon, on essaie de wiper tout ce qu'on peut. Donc là, c'est la zone un peu sensible, le Sinaï, puisqu'il y a encore les terrestres qui sont de l'autre côté, quoi. Donc, ce que je vais faire... On va déclarer la guerre à la Shia. Je vais juste me mettre en position ici. Ce que je vais faire avec Irsu. Logiquement, je vais pouvoir attaquer là. Ça va affaiblir la garnison. Donc là, on n'aura que 21 unités au lieu de 24. En vrai, je suis tenté là d'utiliser de la domination. Hein. Vous savez quoi? Je vais le tester. Allez, 115 points. Et je vais utiliser cette armée pour recoloniser. Et avoir la victoire mineure. J'ai le succès isolationniste. Ça, c'est ce que je voulais. Et équilibre universel. Bien, bon, on possède 37 régions, 13 provinces. C'est plutôt pas. On va continuer alors. Ça nous fait 72 points de victoire, comme je vous le disais. Il nous reste encore 8 points à aller chercher pour les terres natales. Je voudrais aller les chercher dans cette campagne. Conquérir tout Canaan. Ok. Au moment, on va régénérer et après, on verra. Donc là, je vais reconstruire la cité. Alors ici, je vais faire une garnison pour sûr. Ça, c'est pas utile ici puisqu'on a ce qu'il faut. Mais je ferais bien un hôtel en hommage à... Allez, à elle. Et avec ces deux armées-là, on va repartir vers l'est. On va aller du côté d'Ashtata pour voir ce qu'il y a. Je pense que c'est ici que se trouvent les villes qu'on le joue parle. Les trois dernières provinces cananéennes. Donc je pense qu'il y a au moins deux, trois provinces là. On va le vérifier de façon quand on commencera à prendre les villes. Et on a encore 5 points qui sont en route là avec la construction du monument en Syrie. Du côté de Damas. J'ai tout de suite blindé la garnison. Voilà. Donc on a quand même une bonne garnison, je pense, avec les guerriers Chachou, les Apiro et tout ça. Là, je vais faire un temple en hommage à Moloch. Bon, écoute, on va aller trop faire le portrait. Le pilleur de service, là. Ah, il y a un petit bug, on dirait. Get moving.
Puis... bonne agonie. Parfait. Donc là, je vais juste attendre le prochain tour. On n'a pas eu trop de dégâts, ça fait plaisir. Je vais améliorer le bâtiment de bronze là. Il n'y a rien de spécial ici. Hein. La pêcherie, je ferai ça. Attends, il n'y a pas le truc spécial de bronze là? Ah ouais. On trouvera une solution à cela. Donc là, l'influence, il faudra la booster, ça c'est certain. Ok, très bien. Donc avec les deux armées, je vais tout de suite me remettre en route par là, enfin, vers l'est, comme je disais. Toi, tu vas venir là. Surveiller la cité. Alors, qu'est-ce que je peux faire de sympa en ressources? Bah, du bronze déjà, je pense. Oui. Est-ce que je peux faire un autre bâtiment utile? Pas pour l'instant, mais on va le monter donc à lâcher au niveau 2. Donc on va essayer de sortir de l'eau le plus vite possible. Irso va vite débarquer à Ougarit, comme ça on se rassure. Et je peux encore faire un bâtiment ici. Je ferai bien ce terrain de bûcheron de cyprès ici, comme ça on se mettra bien. Ah oui, c'est vrai que je devais regarder un truc dans la famille dirigeante. Ah bah on a trois de nos généraux là, c'est quoi, descendants? Arranger mariage. Beauté remarquable, je prends tous les jours. Et elle, arranger mariage. On va éviter le frère. On va lui donner lui. Tac, tac, tac. Et là, on va encore arranger un autre mariage. Aime la famille. Hop, parfait. Comme ça, les trois enfants d'Irsus sont mariés. Ah, les trois sur les quatre. Écoute, on peut pas être parfait, mais là, tous les membres de famille d'Irsus sont casés. Et ça, c'est très bien. Alors la chasse a encore envie, mais je ne sais pas où. Peut-être en Égypte. Alors on va prendre ça déjà, plus de morale. Excellent. Plus d'embuscade. Oh, plus d'expérience de bataille ici. Ça, je prends tous les jours pour Moloch. Oh, ça, ça va être très bien. On va essayer de faire pareil pour cette armée. Je sais pas si ça aura, il y aura la même portée, mais dans l'idée, essayons. Là, il va aller là, et ensuite, s'il peut, on le mettra ici. Ça va être très bien, ça aussi.
Voilà, bon, il y a un petit écart, mais on a réussi quand même à bien progresser. Ça fait plaisir. Là, je vais tenter de m'emparer de Toutoul. Boukouche est à l'autre bout, donc je pense qu'on va devoir voir comment on fait le truc. Là, il y a des provinces, mais je crois qu'il n'y a rien. Et je vais quand même m'en assurer, quoi. Là, je pense qu'en vrai, que ces deux armées, ça doit être suffisant. Je pense. On a un temple ici, le grand temple de Baal, on va le faire. Ça, si j'avais su que j'aurais dû bien regarder, j'aurais pu avoir plus de faveurs rapidement encore. Écoute, je vais pas me plaindre. Ordre disponible sur Chypre. Jardin royal tout de suite. Peut-être qu'il y a d'autres monuments dans les nouvelles provinces qu'on ne connaît pas encore, on verra. Hein. On pourrait être surpris. Yokazur, il est encore sur sa victoire mineure. Eh non, Moment, tu n'as pas regardé. Je suis en victoire maintenant majeure, même si je n'ai pas jusqu'à victoire majeure, mais mon but c'est juste d'aller chercher les trois dernières provinces de Canaan. Et on verra après. Voilà. Faut suivre, monsieur le modérateur. Hein. Donc voilà, et en plus là je suis en train de faire le monument dans un tour à Damas, il sera terminé. J'ai encore gagné des points. Et là avec ces deux armées, parce que j'ai rasé Alachia, donc la capitale de province, je suis en train de me mettre en route vers l'Est pour voir si c'est bien des terres canaanes. Je pense que oui. Et j'ai pas d'autres hypothèses en tête là. Là on est bien. Là, c'est du recrutement local, mais c'est quoi? C'est du cananien, je pense. J'essaie de faire du Sabu Naguib ici. Dès que la ville sera au niveau 3. Et je ferai peut-être un hôtel en hommage à elle ici pour gagner un petit peu plus d'ordre public. Et la production de ressources surtout. Vu qu'on va en avoir besoin. Alors. Ok. Si je me mets en route vers Teshub, il faut que je passe par ici. Excellent. Ça va me mettre en position. Oh, Tutu, là, s'est fait attaquer récemment. D'accord. Attends, c'est qui attaque là? Ah, ce sont des pierres, bon, ça va. Tranquille. Mais là, les points de navigation, ça nous met tellement bien pour que nos armées se déplacent quand même. Alors, trois avant-postes sont endommagés. Alors, il y en a un là, ok. Bon, c'est tout ça à cause des TRH, ça. Hein. On va se leurrer. J'ai trois améliorations de colonies disponibles. Bon, on va les faire tout de suite. Emar, niveau 5, c'est un centre de culte en prime. Et Alab. Voilà. Je vais faire des chars dans le Sinaï, tiens, pour voir. Toi. Bah on va faire des Sabu Naguib aussi à Kadesh, vu que c'est une province militaire. Alors à Sichem, on va améliorer la caserne. À Damas, on va améliorer cette caserne aussi.
à Alab, on va faire un bâtiment de garnison. On va tout de suite le débloquer. Parfait. À Ascalon, garnison. Je vais faire ça au niveau 3 aussi. Voilà, chier, on peut rien faire pour l'instant, enfin de ce que j'aimerais faire. Il nous reste donc Ougarit aussi qu'on va améliorer. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant? Du bois, tous les jours. Et le Sinaï septentrional. On a tout ce qu'il nous faut là. Donc on a ça, on a ça. Je vais faire des Sabunagib aussi, tiens. Bon, nos armées sont en position quasiment. Donc on va surveiller un petit peu les mouvements adverses. Ah. Alors, c'est quoi qu'on a? C'est un général d'ordre. Oh, ils ont encore pris cher là. Je vais déclarer la guerre à eux. De toute façon, il nous faudra cette province, pour sûr. Cette armée va maintenir le siège. Et je me dis qu'on aura peut-être des unités de chameaux et tout ça, avec un peu de chance. Il a reçu il a 54 ans. Ils ont quoi? Des guerriers araméens, des envahisseurs à la moue, des chameliers lourds à la moue. Ça coûte cher, c'est ça le prix, ouais. Je vais prendre des 7% ici. Je vais juste occuper. Et nous débloquons Ashur, Ishtar et Ninurta. Alors je sais pas. Alors apparemment il me dit qu'il manque 3. C'est pas des terres cananéennes ici de ce que je comprends. Ce qui m'étonne un peu. Là il n'y a rien. Enfin je pense pas. J'espère qu'il n'y a pas un bug. Bon, dans tous les cas, on a un hangar à bois. Est-ce qu'il y a un monument spécifique ici? J'ai pas l'impression. Bref, on va faire ça, on va faire ça. La régène, on va la garder en attendant. Eh bien, on va descendre vers le sud alors. On a découvert des nouvelles divinités. Tu mets bien Evenshield avec les évoques qui débarquent et chassent et te chassent des terres. Oh, t'aimerais bien ça va pour m'emmerder. ok, bon, écoutez, je vais déjà conquérir toute la province d'Ashtata. C'est pas l'Egypte, un cananéen, ça c'est sûr. On va essayer de voir ce que ça donne ici. Bon, je pense pas que Annie Galbat, c'est sûr que c'est pas à nous. Bon, déjà, le fort, on va le détruire. Ici, je vais faire un avant-poste. Un poste de passage cananéen. Je vais pas mettre d'impôts dans cette province pour éviter les ennuis. Mais là, on va refaire un petit peu la province à notre manière. On va débloquer quoi maintenant? Une garnison. Est-ce qu'on peut faire un petit temple? Non. Pas de compétences non assignées pour Djebel. Voilà.
En vrai, si on récupère toute la province, là, on gagne. Alors, trois villes de nourriture et une ville de bronze en plus. Donc, Marie, terre consacrée, mésopotamienne. Mésopotamienne. C'est ça qui m'étonne, c'est qu'ils ne le disent pas. Alors, je vais quand même en parler toute la province, on verra bien quoi. Trois noms découverts, ouais. Bizarre. Alors je vais tout de suite prendre le poste de passage canadien, ça va nous donner plus de portée de campagne et je vais me mettre en route comme ça. Alors, oh, les deux armées ont un fort, d'accord. Si je mets hier sur marche forcée là. Hop, et comme ça on va rattraper l'armée qu'on a créée. Hirsu est devenu matérialiste et humaniste niveau 3. Pas mal, pas mal. Alors, Toutoul, on va l'améliorer au niveau maximum. Quoi qu'attends, non, on va pas l'améliorer. On va la rater. Renforcer sa défense. Parce que, vu la zone dans laquelle on est, je vais pas prendre de risque. Voilà, excellent. Alors, eux, ils sont à leur frontière, là, c'est logique. Même s'ils savent qu'à mon, c'est le prochain sur la liste. Et on pourra peut-être même recruter des unités locales ici, peut-être des araméens ou des trucs, des chameliers lourds même. Alors. Donc là, on a fait le nécessaire. Je vais faire le nécessaire ici, tout de suite. Voilà. Voilà, très bien. Oui, il... Oh, ça c'est chiant, hein, quand même. Toi, tu vas bloquer le fort en attendant. Pourquoi il s'est mis au milieu de la piste, c'est que cet idiot? Mets-toi sur la route, je sais pas. Ok, on a réussi. C'est pas grave, on va rectifier ça dès qu'on aura pris Boukouche. Il faudra qu'on aille chercher Amshon. Et après, il restera Apan des envahisseurs à la loupe. Alors juste par curiosité, la caserne locale, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on peut recruter des chameliers. Oh! Recruter des chameliers, ça peut être intéressant quand même sur l'armée d'Hirsu. Après, quelles unités on pourrait remplacer? Bah, les Sabunagim, on pourrait les remplacer. En vrai, vu qu'on a déjà deux comme ça, quatre épéistes. Ouais, je crois qu'on a trouvé les unités qu'on va remplacer. Ça donnera un peu plus de mobilité au niveau de l'armée d'Hirsu comme ça. Et les chameliers, c'est bon contre tout ce qui est cavalerie normalement. Ça leur donne une pénalité aux chevaux à côté. Ouh, voilà.
Oui, quelle erreur. Il aurait jamais dû m'attaquer. Je vais prendre la reconstitution. Je vais raser le fort. Survivre à l'invasion du peuple des mers. Quel carnage. On embarque un succès de plus, hein, c'est toujours dans la besace. Il hante mes moindres rêves. Ces guerriers, le peuple de la mer. Le monde entier se vida. Personne ne put endiguer leur puissance. Et puis, tel un murmure dans le vent d'ouest, ils disparurent. Grand Seth, maître de la tempête, agitateur des cieux. Tu as stoppé les envahisseurs en refermant la porte du nord. Le monde a survécu par la volonté de Ra. Pour l'instant, du moins. Bon bah, ça fait 10 points de plus, logiquement. Et alors, attends, moins que ça ait changé. Alors ça donne plus de points, j'ai l'impression, de survivre au peuple plémer. Donc on a 82 points. Ok. Faire le nécessaire. Alors on va prendre Bukush tout de suite. On va juste s'occuper. On va éliminer les Sabunagib ici. Et je vais essayer de recruter ces chameliers lourds là, à la moue. Au niveau local, ça va être pas mal ça, cette unité. Ils tapent pas non plus comme des mules, mais ils peuvent faire l'affaire. En plus, ils ont un bon moral et ça donnera une option de mobile à notre armée, comme je disais. C'est ça que je voulais. Donc là, je vais activer ça, je vais tout de suite le bâtir. Et je vais faire un hôtel en hommage à Moloch derrière. Donc voilà. C'est ainsi que Rome débarque à Oups, on peut. Ah, c'est plus tard, Momon, c'est beaucoup plus tard, monsieur. Ok, donc ça ferait partie du royaume d'Abernara, mais ça appartient pas à cette province. Toujours trois provinces, c'est ça que je comprends pas. C'est pas Carchemish quand même. Centre de culte. Tu sais quoi, je vais tenter un truc diplomatique. Si tu me sors que Carchemish, c'est une terre hittite. Une terre hittite. Une terre de. Comment ça s'appelle? Non, ça serait pas logique. Bon, dans tous les cas, on va terminer la conquête de la province. Et après, on verra. Donc, je vais vite me mettre en route là-bas.
Les impôts se fait raser ici. Il a fait quoi? Il a juste... I pity no one. No stragglers. On va y aller comme ça, hein, à la sauvage. J'ai tout de même me reprendre la reconstitution. Là, on va se mettre en position. Lui, il va se mettre en position près du fort. Comme ça, ils ne viendront pas en renfort. Oh, mais il y a de la ressource ici. Il y a de la ressource. Bon, je vais tout de suite bâtir tout le niveau au maximum. Et je vais faire tout ça après. Hein. Oh oui. On va gagner pas mal de nourriture avec tout ça. Merde, j'ai pas fait de décret royal. De toute façon, je vais m'arrêter, je pense, sur la conquête d'Apan. Je vais pas aller plus loin. C'est bizarre quand même. Hein. Ça m'étonnerait que Karkimich soit forcément une terre hittite. Bon, je vérifierai ça de mon côté. Je serais allé au moins jusqu'au peuple des mers. C'est déjà très bien. J'ai fait la victoire mineure. C'était mon objectif. Donc, de mon côté, j'ai encore un ou deux succès à faire avec Hirsu et les maraudeurs. Donc, raser 500 de culte. Oh, le chien. Mais quel chien! Cette armée-là de pire, on va tout de suite les dégager. Point d'ici pour 100. Voilà, on va déjà faire tout ça. Donc lui, il va falloir le dégager au plus vite. Ça va être une épine dans le pied sinon. Là, il se prend de l'usure. Ça me fait 10 succès sur 10 en 5 là, ce soir, ça fait plaisir. Ah, il suicide, parfait. Hop, bâtard. Il se démerde bien avec l'âge. Ça, bon. Les unités locales mésopotamiennes, ouais. Je vais me mettre en route avec cette armée. Et on va aller chercher tout de suite Apam pour terminer la province. Putain, t'es sérieux? Oh, d'accord.
Alors ça, c'est quand même mal indiqué. Donc c'est bien Carchemish qui serait une province cananéenne. Ainsi que... Bah... Ah d'accord, bon. Oh là là, ça va être un beau morceau ça. Donc il y aura le Carchemish complet. Le Kamanou. Ouf, ok, je comprends mieux maintenant. Bon, on le saura. Ça, c'est quand même pas normal qu'il l'indique que maintenant, parce que moi, je suis désolé, j'avais tout. J'avais tout indiqué. J'avais tout. J'étais à côté de lui depuis des années, enfin, depuis le début de la partie. Il me l'indique que maintenant. Je trouve que ça, c'est pas bien, quoi. Et je te fais le pari qu'il y a encore une province, bien sûr. Je vais pas me plaindre, j'ai gagné la campagne, je vais quand même pas manger mon frein, je suis satisfait. J'aurais aimé conquérir toutes les terres canadiennes en plus, mais ça c'est dommage. Petit point négatif là. Alors, j'ai encore de la recherche à faire, mais bon. Je vais continuer de mon côté en off, ça c'est sûr. Pour faire les succès qui me restent. Et avec Irsu, on va aller chercher. À panier. Alors, est-ce que je tente le coup de la domination? Oui, Seigneur de l'Angoisse, utilisez domination trois fois en ayant choisi la voie des maraudeurs. Parfait. Comme ça, cette armée va recoloniser. Très bien. Et après, je vais la supprimer. Bon, je partirai au moins avec un succès de plus dans la besace. Je suis quand même vert un peu, je vous avoue, mais c'est comme ça. Et là, on va pouvoir faire pas mal de bouffe. Ouais, t'as bien raison. Donc là, je vais quand même m'arrêter là. Oh, Carcamiche, ils sont en train de s'étendre comme des sacs, là. Donc, je vais quand même m'arrêter là. Alors, pour les monuments, bon, on a fait le nécessaire. Voilà, donc je vais m'arrêter pour cette campagne d'Irsu. J'espère qu'elle vous a plu. Donc cet épisode en victoire mineure, on a survécu au peuple de la mer, on a construit des monuments, on a quasiment tout conquis Canaan, enfin trois provinces près, puisqu'on nous a indiqué que maintenant, alors que pense que j'étais voisin avec eux depuis très très longtemps, ils auraient pu quand même me l'indiquer quoi. Pour au moins la province de Carchemish. Après, pour Bay... Alors, Baliou, c'est quoi ça? Carchemish et Kamanou, c'est ces quatre villes-là encore. Mais... Voilà, j'espère que cette campagne avec Irsu vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures, les amis. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!